بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوانج الله الله سيدنا de l'univers que le tout puissant le tout miséricordieux Allah l'exalté que sa bénédiction n'est-ce pas Alors soit sur la mère des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah. Nous remercions Allah l'exalté qui nous a guidés à l'islam. Chers frères, chères sœurs en islam, adorons Allah rapidement et tous les jours. La récompense est énorme auprès d'Allah. Ainsi, le rappel va se porter sur le mois de Ramadan, qui n'est pas loin, Inch'Allah. Dans quelques semaines, Inch'Allah, c'est le mois de Ramadan. Et là, le musulman doit être très content, doit être fier, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, 6 mois avant le mois de Ramadan, ils ne font qu'implorer Allah, leur donner la chance de vivre jusqu'à rencontrer le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans le mois de Ramadan, les bonnes actions sont multipliées. Les bonnes actions, les bonnes œuvres sont multipliées. Alors donc, c'est une grande occasion alors pour, n'est-ce pas, faire des bonnes actions et avoir une très grande récompense auprès d'Allah. Alhamdulillah. Les actes d'adoration également sont multipliés également. Voyez-vous? Donc c'est un mois exceptionnel. Le mois de Ramadan, tout musulman doit être très content donc, de le rencontrer. Donc nous implorons Allah de nous donner la chance de vivre jusqu'à rencontrer le mois de Ramadan. Et donner la force, la santé, la force nécessaire également pour le jeûner. Jeûner tout le mois de Ramadan. Ceux qui sont malades, ça, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu cela. Tu es malade, tu ne peux pas. Mais multiplie les bonnes actions, les bonnes œuvres. Ceux qui peuvent jeûner comme ceux qui ne peuvent pas jeûner, en tout cas les musulmans, c'est l'occasion donc pour penser aux autres. Le souci du partage. En commençant par tes parents proches qui n'ont pas les moyens, il faut les aider. En commençant donc par tes voisins qui n'ont pas les moyens, les orphelins, les veuves, les musulmans qui viennent à la mosquée qui n'ont pas les moyens, il faut penser à eux. Oui, c'est un moment spécial, hein. Un moment spécial où il faut vraiment dépenser. Dépenser uniquement pour la face d'Allah. Pas pour se faire remarquer. Quand alors tu envoies donc des sous, des enveloppes à des parents qui sont un peu loin, qui sont dans le village. Dans le mois de Ramadan, la récompense est énorme. Quand tu penses aux orphelins qui sont à côté, quand tu vas dans un orphelinat quelque part, les amènes quelques sacs de sucre, quelques sacs donc de Lipton, n'est-ce pas? Quand tu amènes quelques sacs donc de lait, de rupture, pour de riz, etc., dans une mosquée, demander à l'imam de les donner aux pauvres, ta récompense est énorme. Donc en un mot, le musulman doit s'organiser. Et ce rappel, c'est pour nous amener chacun donc, à mettre, bien que ce n'est pas facile, les mois sont difficiles, mais quand tu peux mettre 100 francs à côté, quand tu mets 5 000 à côté, d'ici le mois de Ramadan, tu auras une petite somme que tu vas essayer donc qui va te permettre de faire des bonnes actions, d'aider les autres pour te permettre d'avoir assez de récompenses. Il faut vraiment penser à cela. Il faut vraiment penser à aider les autres tous les jours et singulièrement dans le mois de Ramadan, qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Chers frères, chers sœurs en islam, voilà, c'est une occasion. Ceux qui peuvent aller faire donc l'Umrah, c'est l'occasion. Hein? L'Umrah dans le mois de Ramadan, la récompense est énorme. C'est comme si tu avais fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, te met dans des conditions, sois reconnaissant envers lui, qu'Allah nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Et nous disons Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma sabbitna al iman. Allahumma innaka fawwun tuhibbu fa'fu anna. Allahumma salkal janna
واعوذك من النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كلا نجيد انا دومبو ايوه اه لا سيبي انا دومبو